Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Suite aux tensions depuis juillet 2023 au royaume de Mossou, un nouveau régent a été intronisé pour gérer les affaires courantes du royaume. en afrique, les décès dus aux accidents de la route représentent environ un quart du nombre total de victimes. à cet effet, la campagne mondiale de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée en côte d'ivoire dans la ville de Bouaké, le samedi 2 mars et le burkinabé hugues fabrice zongo a remporté la médaille d'or aux mondiaux d'athlétisme indoor le samedi 2 mars à glasgow. Le roi des Abouré de Mossou, Nanan Asumou Kanga, est de plus en plus isolé. Destitué le 15 juillet 2023 selon les générations Nuju et Blousoué de Mossou, ces dernières ont procédé à l'intronisation d'un nouveau régent le samedi 2 mars, conformément aux us et coutumes des Abouré. Le choix des notables a été porté à l'unanimité sur le doyen d'âge, Niamke Amon Bernard, 86 ans, fonctionnaire du port autonome d'Abidjan à la retraite. Sa mission, gérer les affaires courantes du royaume. Situé l'ancien roi. Si la famille Samandière si, décide d'un nouveau roi qu'elle nous présente, on va, on aura, on va prendre acte et l'installer sur la suite. En ce moment, l'intérim du régent sera fini. Oui. Sa mission, est de gérer les affaires courantes du village. Parce que depuis le 15 juillet 2023, quand Sumukanga a été destitué, le village est resté comme ça. et Rien ne bouge. De bloquer, on ne même bloqué. On ne peut pas gérer les affaires courantes. On a décidé comme ça, en commun accord, de trouver quelqu'un qui va conduire ce navire-là. Parce que nous... Chez nous, à Mossou, le roi règne, mais ne gouverne pas. Ce sont les générations qui gouvernent. En même temps, qu'il y a un vide institutionnel, il faut combler ce vide-là. Selon la Constitution des Abouréais, en cas de vacances du pouvoir royal, c'est la famille Asokopoué qui assure l'intérim jusqu'à ce que la famille royale Samandjé désigne un autre roi. Contacté par cette info le préfet de Grand Bassam, Nassou Sidibé, dit avoir pris acte de l'installation du nouveau régent, en dépit de nombreuses concertations infructueuses pour concilier les parties. Ils ont trouvé quelqu'un qui va assumer ce rôle-là en attendant que les choses se précisent de part et d'autre. Donc on en a pris acte. Nano Asumokanga est le 21e roi à régner sur le royaume de Mossou depuis le 5 mai 1991. Si le processus de sa destitution arrive à son terme, il sera le troisième roi destitué depuis la fondation du village au 18 siècle, après les souverains d'Ibe Joseph en 1953 et Akamie Sankofi en 1933. 1,2 million de personnes sont tuées chaque année sur les routes à travers le monde, une réalité qui se ressent tout particulièrement en Afrique, où cette moyenne est de 225 000 personnes chaque année. Pour réduire de moitié ce nombre de tués dans le monde, une campagne mondiale de sécurité routière pour l'Afrique a été lancée le 2 mars à Boicot. Pour la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, si je m'en à cela, c'est 7% de PIB. En moins chaque année, du fait des accidents de la circulation. 7 Nous avons une croissance moyenne en Côte d'Ivoire de l'ordre de 7 Imaginez que nous ayons réduit de 50 le nombre d'accidents et les conséquences forcément de ces accidents. C'est un taux de croissance que de 10 que la Côte d'Ivoire pourrait enregistrer, mais pas 7 Initiative qui a été marquée par la présence de Jean Todd envoyé spécial de l'ONU. Et nous avons la prescription pour stopper le carnage sur les routes. En font partie les gestes qui sauvent tels que repris dans la campagne mon conseil de sécurité lancé aujourd'hui et que sont mettre sa ceinture de sécurité, porter un casque aux normes de sécurité fixées par les Nations Unies, ne pas conduire sous influence, ne pas conduire fatigué. Réduire la vitesse et ne pas texter au volant. Il y a ensuite de nombreux autres efforts à entreprendre au niveau de l'adhésion aux conventions des Nations Unies, l'application des lois et l'éducation. La campagne va durer deux ans, couvrant 80 pays et 1000 villes à travers le monde. Elle sera enrichie d'affiches et de messages appelant les automobilistes à adopter de bonnes habitudes, comme le port de la ceinture de sécurité ou encore du casque. Hors de nos frontières au Tchad, le fils prolongera-t-il sa succession du père au pouvoir Mahamat Idriss Déby, chef de la transition, a officialisé sa candidature à la présidentielle prévue le 6 mai prochain. Annonce précédée trois jours avant par la mort de son principal opposant, Yahya Dilo Djerou. Général de son État, Mahamat Idris avait pris les rênes du pays en 2021. Alors âgé de 37 ans, il est porté par l'armée au fauteuil présidentiel suite au décès de son père, le maréchal Idris Déby. Dans la foulée, le fils promettait de rendre le pouvoir aux civils par des élections après une transition de 18 mois. Transition qui, une fois arrivée à échéance, a été prolongée de deux ans. Et pour finir, mission accomplie pour Hugues Fabrice Zango, une vitesse et une détermination qui s'avèrent gagnantes. Hugues Fabrice Zango a mis le Burkina Faso sur le toit du monde lors des mondiaux d'athlétisme de Glasgow. Le samedi 2 mars, le docteur en génie électrique s'est illustré avec un saut de 17,53 m, raflant ainsi la médaille d'or. Il s'agit pour lui du troisième succès depuis le début de l'année 2024. Une nouvelle performance qui vient confirmer le titre de recordman d'Afrique de l'épreuve Kug Fabrice a décroché en 2021 avec un bond de 18,07 m. Après le titre de champion du monde de triple saut en plein air, remporté le 21 août 2023 à Budapest avec un saut de 17,64 m, il espère bien offrir au Burkina Faso sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en juillet prochain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.setinfo.ci.